penser le produit durable, ça change tout en fait. Il faut avoir certaines rigueurs, pas trop s'éparpiller. Bonjour à tous, bonjour Pierre et Zach. Moi je suis Maxence, responsable du contenu image chez Decathlon dans le vélo de voyage et animateur pour cette vidéo. Je suis en présence de Pierre et Zach. Pierre, on travaille ensemble, tu es designer. Et Zach, je t'ai découvert sur Instagram il y a quelques années. Et là, on a eu l'opportunité de faire une collaboration ensemble. Et du coup, Pierre, Zach, présentez-vous en quelques mots. Moi, c'est Zach. Je suis graphiste et artiste digital depuis maintenant 7 ans. Je travaille aussi essentiellement avec des entreprises pour des supports de com, dans la communication et le marketing de manière générale. Pierre ? Et moi, je suis designer produit sur le vélo voyage et la bagagerie voyage. Ça fait 7 ans que je suis chez Decathlon. Je suis un passionné d'outdoor, d'aventure. Et spécifiquement sur le vélo voyage. Pour entamer cette première thématique de ce portrait croisé, je vous propose un petit jeu que j'ai appelé la contre-soirée. C'est ce moment où on se retrouve dans une cuisine à 5h du matin à refaire le monde entier. Et là, j'ai des petites questions un peu absurdes et ça vous permet de nous mettre en jambes. Je vous propose de piocher, de lire la carte et après d'y répondre. Pierre ? Allons-y. Sur quel morceau tu mets un veto à ton mariage ? Je mettrais... Genre le démon de minuit ou pas? Ouais, des trucs comme ça. Ah ouais, vraiment comme ça. Un grand classique de la musique française au veto. Ouais. C'est clivant hein, quand même. Kissa Kissa. Zach. Invente ton épreuve de Koh-Lanta. Je pense que je mettrais des crocodiles, je pense. Hein. Les crocodiles? Ouais, c'est pas assez dangereux. Comment tu verrais le truc du coup? Peut-être marcher sur un fil avec des crocodiles en dessous. Ouais. Et c'est le premier qui doit arriver qui passe. Exactement. Ouais. Et puis ouais, à la fin, il n'y a plus de candidats en fait. Bon, bah désolé, l'émission se termine. Pour lui, ce sera en vélo, je pense. En vélo, en slackline, ouais. Sur un monocycle. Allez, la dernière. Allons-y. Invente un nouveau jour de la semaine et à quoi il servirait. J'inventerais une journée associative. Cette journée, elle serait dédiée à vraiment à quoi? Du coup, une association pour quoi? Si tu avais vraiment précisément... Protection de l'environnement, certainement, ouais. C'est un truc qui te tient à cœur? Ouais, carrément. Toi aussi, t'es investi dans une association? Ouais, carrément. Bah là, prochainement, je vais éduquer les enfants sur le zéro déchet de la petite école au lycée. Ah, trop bien. Donc ça va être sympa, ça va être un bel exercice. Oh, cool. Décris ton rond-point idéal, où je suis seul. T'es seul dessus? Je suis seul sur le rond-point. Mais genre, ce serait une statue de toi? Ou tu vois, on est quand même en France, on est champion du monde du rond-point. D'accord, ok. En vrai, je pense. Ouais. Il y a des ronds-points à tous les coins de rue. Si tu devais arriver sur ton rond-point idéal, comment il serait, visuellement? Ok, visuellement, je pense que je mettrais un cerisier en plein milieu. Un cerisier? Ouais, un géant cerisier. Genre tout seul? Tout seul. Pour le côté zen et contemplatif. Tranquille, relax. Ouais. Comme ça, dès que tu arrives sur le rond-point, moi, tu sais que... C'est safe. Non, mais c'est vrai que ça serait beau. Après, du coup, cette mise en jambe de contre-soirée, revenons dans notre salon, ici, pour une petite thématique autour du sport. Du coup, quels sont vos sports et quelles sont les valeurs qui sont attachées à ça? Pierre, je t'en prie. Du coup, je fais de l'escalade et du vélo, que je m'entraîne en salle pour en pratiquer dans la nature l'été ou quand il y a des bonnes conditions. Et vélo, un peu dans le même délire, mais plus pour voyager en vélo avec mes amis ou alors avec des gens que je connais pas, plus pour découvrir des personnes, des paysages, partager des moments. Isaac ? Je fais beaucoup de foot, beaucoup de football. Je joue aussi un peu au basket. Ça fait un petit moment, mais je faisais aussi un peu de grappling aussi. C'est quoi? Le grappling, c'est un peu comme le jiu-jitsu brésilien, mais du coup, c'est plus au sol, c'est comme du corps à corps, avec une soumission à la fin. Ok, et donc tu gagnes par soumission et... Exactement, ouais. Ok. Quelles sont ces valeurs qui sont fortes pour vous, du coup, dans le pratique? Parce qu'on se dit que potentiellement, le vélo, c'est un sport individuel, on est tout seul sur son vélo en train de pédaler. Mais du coup, c'est quoi potentiellement les valeurs derrière L'inclusivité, le partage. Partage, ça a plusieurs sens, c'est partage de découvertes, de paysages, partage de souvenirs. Les galères aussi? De galères, mais ça c'est les meilleurs souvenirs. Les meilleurs souvenirs, c'est sûr. Pas sur le moment, mais après c'est les meilleurs souvenirs. En fait, c'est ce qu'on retient presque en fait. Carrément. Sur le moment, c'est pas le feu, mais après c'est les meilleurs souvenirs. En tout cas, c'est ce que tu racontes. Ouais, c'est ce que tu racontes à tout le monde en fait.
Ok. Et toi, Zach, du coup? Moi, je pense que ce serait plus l'esprit d'équipe. Mmh. Du coup, pas forcément se recentrer sur soi-même, mais aussi sur les autres et ceux qui nous entourent. Toi, du coup, tu pratiques avec qui? Avec des potes avec, Ouais, c'est essentiellement avec des potes. Mmh. Ouais, le football, c'est les potes, basket aussi. Mmh. Liberté aussi en vélo-voyage, sentir libre et en déconnexion avec la nature, c'est ça aussi que je cherchais. C'est cet esprit un peu de on s'arrête quand on veut, on fait la distance qu'on veut, on accepte aussi de ne pas faire des fois la journée. Mmh. C'est ça un peu tu veux Prendre des cafés, du coup découvrir des cafés. Moi j'adore les croissants à la frangipane. Ah oui. Du coup je fais. Chaque fois, je vais dans une nouvelle boulangerie, même dans d'autres pays. Alors, est-ce que tu as défini du coup la meilleure pâtisserie de France? J'en ai une, mais c'est la clé, c'est beaucoup de beurre en Bretagne. Ah oui, le Kouign-Amann ou pas? Bah, ouais. Ça, c'est aussi bon, j'en profite. Hein, mais l'idée là, c'est vraiment croissant à la frangipane. Ok, donc le meilleur croissant à la frangipane, c'est en Bretagne. Troisième thématique de ce portrait croisé entre Zach et Pierre. Vous êtes deux créatifs dans deux domaines différents, la com, le design industriel, le design produit. Je voulais vraiment faire un focus sur le processus créatif. Zach, moi je t'ai connu avec cette image-là. Tu la découvres en même temps. Celle-ci. Ouais. Celle du beffroi de la CCI en mode post-apocalyptique où on ne sait pas si c'est réel ou pas réel. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour réaliser ça? Alors cette photo, je l'avais vue sur Instagram, c'était un photographe qui l'avait postée sur son compte. Elle m'a tout de suite inspiré. En fait, de par sa prise de vue, j'ai trouvé ça impressionnant de voir le beffroi sous cet angle. On a plus l'habitude de le voir d'en bas. Et puis là, de le voir de haut, ça m'a tout de suite frappé. Du coup, j'ai demandé au photographe de m'envoyer le RAW et bien sûr son autorisation si je pouvais la modifier. Et puis, en vrai, j'ai laissé parler ma créativité. Je voulais un peu noyer l'île dans la nature. C'est un peu la nature qui reprend ses droits. On était en pleine période de Covid aussi. Donc, personne dans les rues. C'était totalement vide. Et puis... En fait, t'as imaginé un peu le Covid s'il avait duré 50 ans. Exactement. Comment ça serait passé? Je pense que ça serait passé comme ça du coup. Avec les arbres qui reviennent, les fleurs qui poussent, tout ça. Ça t'a pris à peu près combien de temps cette image? Si je dis pas de bêtises pour celle-ci, je pense que j'étais à 10 heures de travail étalées sur toute la semaine. Ok. Ouais. C'est pas mal. Hein. Ouais. Et tu fais tout sur Photoshop? Tout sur Photoshop, ouais. Okay. C'est uniquement des images que je viens récupérer de banques d'images ou de photographes. Et puis je viens découper ce qui me plaît, puis j'assemble le tout en ajustant les lumières, les ombres, etc. Ce serait bien un lille comme ça. Ouais. Avec un peu plus de montagne et tout. Moi, ça. Moi, ça me bord. Ouais, c'est vrai qu'il manque un peu des fois. On est vraiment dans un univers ici, dans le Nord, très urbain. Ouais. Et c'est vrai que du coup, remettre la nature au centre, avec des monuments iconiques, c'est vrai que ça marque vite les esprits. Clairement. Et toi, Pierre, du coup comment tu t'inspires au quotidien pour pouvoir après designer potentiellement tes produits ou même tes projets à côté? Tu te nourris comment? Alors on fait pas mal de salons avec mon équipe design et ensuite je m'inspire de ce qu'il y a autour de nous, de la nature, voir les produits qui résistent le plus dans la nature. Du coup essayer d'apporter ce qui est le plus robuste sur nos produits. Je m'inspire beaucoup des produits outdoor aussi. Chose qu'on a essayé d'apporter sur cette gamme de produits. C'est un truc, par exemple, on parle beaucoup de biomimétisme. C'est ce phénomène que le comportement de la nature agit. Par exemple, les fleurs, les feuilles, quand on les touche, elles se plient, choses comme ça. Mm-hmm. Est-ce que c'est des choses aussi que tu intègres potentiellement, tu essayes d'analyser dans la nature des comportements naturels qu'on pourrait appliquer en conception? Ça me parle carrément. Est-ce que je le fais? Est-ce que j'y pense, je l'applique comme ça? Je ne sais pas. Mais j'ai lu pas mal d'articles sur ça. Je trouve ça super inspirant. Chez Decat, il y en a pas mal qui travaillent là-dessus. Moi, pas encore trop. Pas encore? C'est dans la suite, du coup. C'est dans la suite. Et du coup, j'ai une question un peu générale. Pour vous, du coup, qu'est-ce qu'une bonne idée? C'est quand je me dis, j'aurais dû y penser ou un truc comme ça. Ah ouais, genre, ah ouais. Ouais, ça c'est pas bête. Ça c'est pas bête, c'est un peu la phrase un peu type qui est, ah ouais. Toi, Zach, quand tu dis, ah ouais, ça c'est une bonne idée. Je pense qu'avant tout, c'est une idée qui me plaît.
Il me fait vibrer en fait. C'est... Ça touche beaucoup aux émotions du coup, quand tu te sens... Et du coup, de toutes les émotions possibles, tu te dis... Ouais, peu importe les émotions, je pense, mais... Ouais, faut vraiment que ça me plaise avant tout. Et là, je me dis, c'est une bonne idée. On va enchaîner sur cette dernière thématique. On va vraiment faire un focus sur le pourquoi on est là. Ces produits qui sont derrière nous. Du coup, en fait, Pierre, tu as designé ces sacoches. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi, c'est les sacoches de bikepacking? Qu'est-ce que ça symbolise pour moi? Ouais, la bagagerie, en fait, à vélo. Tu en parlais peut-être aussi tout à l'heure, sur ce côté un peu peut-être de liberté, en fait, de dire, ben voilà, j'ai toutes mes sacoches. Moi, c'est plus le côté minimalisme. J'emporte tout sur mon vélo, tout ce que j'ai besoin sur mon vélo pour partir en aventure. Des vêtements de pluie, un peu de nourriture et de quoi dormir. On a pensé nos produits avec tout ça, avec le chef de produit et notre ingénieur. Tout le matériel qu'on a besoin, on le répartit sur le vélo et comment on fait le volume qu'on aura besoin du coup. Et ça, on a travaillé le formel comme ça. Et, valider si tout passe dedans, mais en mode en le pensant minimaliste. Et en fait là, c'est, du coup, elles sont conçues pour quoi ces bagageries? Du coup, pour partir en voyage plus sur des chemins un peu perdus. Donc l'idée, c'est qu'on ait tout notre matériel, mais concentré autour du vélo pour que ça gêne pas le cycliste. Et voilà, on peut partir sur plusieurs jours, plusieurs semaines avec? Ouais, le but là, c'est de partir en micro-aventure sur un week-end. Ou sur une semaine de bikepacking, c'est avec son vélo. Ok, et elles ont une couleur particulière, on a du beige, on a du violet, on a des petits patchworks dedans. Comment ça t'a inspiré ça? Comment ça t'est venu du coup de changer un peu et sortir de ces couleurs un peu ordinaires? Alors, on ne voulait pas prendre des couleurs trop engagées. Là, l'idée, c'est de mettre en lumière avec le violet. Les parties qu'on voulait montrer, donc sortie de câble pour la batterie, pour le tuyau d'eau ou alors une poche pour mettre les déchets. Là l'idée c'est que j'ai travaillé en deux étages. Le bleu marine qu'on voit, je l'ai mis sur le dessous pour alléger le vélo, pour mettre la partie la plus sombre vers le bas. Et j'ai amené du beige sur le dessus pour un peu la légèreté. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu la mer et la terre. Exactement. Du coup, là, après, du coup, ça fait une belle transition, se dire, bon, voilà, ça y est, les produits, ça fait combien de temps que tu travailles dessus? 2 ans? Ouais, 1 an et demi, ouais. 1 an et demi, 2 ans. On a les produits finaux là, qui vont bientôt sortir. On va commencer à les enrober. Et c'est Zach, du coup, avec tout le talent et sa patte artistique, va les prendre pour les mettre dans la nature, aussi belle que la CCI dans cette image. Et du coup, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Zach? Du coup, c'est déjà un produit qui me parle. Justement, ce qu'on se disait tout à l'heure avec Pierre, c'est qu'il y a des choses que je n'avais pas forcément remarquées et qui seraient aussi intéressantes d'exploiter dans mes visuels. Du coup, je pense vraiment faire un focus sur chaque produit, de ne pas représenter un vrai vélo, mais plutôt de le façonner à l'image de la nature. Par exemple, plutôt utiliser des pierres à la place des roues, utiliser des branches qui viennent constituer un peu le vélo, des troncs d'arbres, tout ça, pour mettre en avant les packagings. Zach, Pierre, du coup, qu'est-ce que vous retenez de cette journée, de votre rencontre? Vous n'êtes jamais vu avant. Et qu'est-ce que vous retenez de l'un l'autre de cette journée? À toi l'honneur. Bah moi déjà, j'ai trop hâte de voir comment tu vas mettre les produits en avant, sans que ça soit sur un vélo, j'avoue que... Et puis, connaissant tes projets, je pense que ça va être vraiment chouette. Je pense que ça va m'inspirer sur les prochains produits que je ferai. Ouais. Il y aura peut-être une collab design by Zach et Pierre. Franchement, pourquoi pas, avec plaisir. Avec vraiment, ce qu'il a fait déjà, c'est ouf. Quand tu m'avais montré les produits 3D, déjà, je me suis dit, OK, c'est cool. Mais là, en les voyant en vrai et avec l'explication qu'il y a derrière, franchement, il y a beaucoup d'idées qui me sont venues là, ce matin. C'est une histoire vraiment à raconter. Trop cool. Pour conclure cette interview, du coup, je vous propose une dernière fast question, 1 minute 30. Je vais mettre un petit timer. J'ai une liste de questions, il faudra répondre l'un après l'autre. Top, c'est parti. Quel métier vous voulez faire plus petit? Menuisier. Archéologue. Le lait après ou avant les céréales? Après. Les avoines. Très précis. Après. Après, précis sur le lait d'avoine. C'est quoi le pitch de la journée parfaite? Journée ensoleillée déjà. Ouais. Levé tôt, levé tard? Levé tôt.
Levé tôt pour... Ah, bingo. Et comment elle se finirait cette journée? Avec une bière. Avec une bière à la main. Avec une session de sport pour Zach. Séance de sport, coucher de soleil. Coucher de soleil, ouais. En contemplatif. Exactement. Qu'est-ce que vous savez faire de vos mains? Du vélo. Ouais. Je suis vraiment pas habile de mes mains, c'est... Ah ouais? Non, pas du tout. Du coup, souris-clavier? Souris-clavier, ouais, Photoshop ouais. Du coup. Photoshop. Dans quel corps de star vous voudriez-vous passer pendant 24 heures? Mike Horn, je sais pas si c'est une star, mais... Oh si, c'est connu. Ça doit être très stylé, partir à l'aventure. Peut-être Cristiano Ronaldo. Ouais. Cristiano Ronaldo? Pour l'hygiène de vie. Ah ouais, ouais. Genre la rigueur et ouais, tout exactement. Ça? Exactement. Ça t'inspire beaucoup? Ça m'inspire beaucoup, ouais. Voilà, c'est fini. Allez, la petite dernière bonus. Pour vous, c'est quoi votre rêve le plus fou? Si vous n'y avez pas de problèmes de temps, des problèmes d'argent, tout ça, nos limites, ça c'est quoi le rêve le plus fou? Un tour du monde, je pense. Un tour du monde? Vraiment voir toutes les cultures qui puissent exister, je pense. Et moi, ce serait les montagnes à Lille. Ah ouais? Donc de mettre des gros pics? Des vraies montagnes. Des vraies montagnes? Pas les Flandres. Pourquoi pas, hein? Merci à vous. Merci à toi. Merci. Merci Zach et Pierre pour ce partage de sport, de processus créatif. C'est rare qu'on voit ce genre de process, de comment la bonne idée, qu'est-ce qui vous inspire au quotidien. Cette belle collaboration qui va se passer là où, ça y est, il y a une transmission qui est faite entre le design et la communication. Comment on va faire transpirer la nature dans nos produits, c'est notre ADN dans notre marque et dans le vélo de voyage. Merci à vous de votre participation. Peut-être potentiellement dans une collaboration future de produits, si Zach ça t'intéresse, ça peut être vraiment cool. Je pense que Pierre, il serait vraiment chaud. Yes. Et puis, ben, hâte de voir et de découvrir la suite et, de cette campagne. Merci à tous. Merci. À fond la forme. Talam tam tam, talam tam tam.